Et donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis un peu fatigué, tête dans le cul, tu connais. En plus il y a mes parents qui dorment, donc je peux pas parler trop fort. Gros, je viens de me réveiller à 6h30 du matin, gros. J'avais oublié à quel point le réveil à 6h30 il te termine, gros. Mais en vrai de vrai, pour se lever c'est galère. T'es là, t'as ton réveil, chaque minute sont précieuses. Genre c'est les 5 minutes les plus rapides de ta vie quand tu repousses ton réveil à 6h du matin. Mais je me sens excité, je sais pas si vous aussi. Mais tu vois, je me sens plus excité que quand je me réveille à 10h parce que, bah je sais pas, je suis plus dans le truc. Donc peut-être que je vais me réveiller souvent à 6h30, vous allez me regarder. Et donc, comme tu l'as pu le voir, mon petit ref, on est chez moi tranquillement pour cette petite intro parce que aujourd'hui on va aller à Rennes. On va passer une petite journée à Rennes, tu connais, tous les deux mois. Comme ça, j'essaye d'aller à Rennes voir tout le monde. Et du coup, aujourd'hui, je vais chez Valouze tranquille, petit vlog à Rennes. Je me suis dit, on va profiter de l'occasion pour vous faire partager ma journée avec moi. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit. J'espère que la vidéo va te plaire. N'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu, à t'abonner. Mon ref, c'est le boss, je te kiffe. Du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire sans plus tarder? Je vais faire mon sac là, comme tu peux le voir. Je vais partir en voiture. J'avais envie de prendre la voiture, la 208, pour y aller. Sauf que frérot, je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, gros, je fais le trajet solo, 3h30. Allez hop, j'ai pris un train. Du coup, le Uber, il arrive dans 5 minutes. Là, je fais mon 5 parce que dans le train, je vais prendre mon Mac pour pouvoir faire des petits trucs et tout, tu connais. Ensuite, on arrive à Rennes. Valouze vient me chercher, etc. Donc c'est parti. Bonne vidéo à tous, j'espère que vous allez kiffer. Sur ce... Bon, alors, je crois que j'ai tout. Il y a là le Mac, le chargeur. Je vais quand même prendre mon chargeur parce que, vas-y, des fois, t'oublies ton chargeur, tu dois taxer celui des gens, c'est chiant. Voilà, voilà, si ça, c'est pas carré, si c'est pas pro, ça. Bon, les gars, la vidéo commence avec une anecdote de ouf. Regardez comment je me suis retrouvé là, plein milieu de la gare. Voilà, ça commence bien, les gars, j'ai loupé mon train. Comme vous pouvez le voir, je suis en mode blasé. Oh, j'ai fait une péripétie, c'était incroyable. L'anecdote est incroyable. J'arrive, je me prépare chez moi, comme je vous l'ai dit. Je prends le Uber à 7h40. Il est marqué sur Uber, arrivé 8h40. Moi, frérot, arrivé 8h40, je me dis, mon train il est à 57, j'ai large temps. Sauf que ça se passe pas comme prévu. Prends le Uber, sur le Uber, il écrit arrivé à 56. Là, je suis comme ça dans le Uber. Je dis, ouais, prenez la 14. Du coup, je fais quoi? Il prend la 14, péage, 8€, prends la 14. Il fonce, il fonce, il fonce. Ensuite, tu vois que ça bouge pas. Toujours 56. Parce qu'en sortant chez moi, t'as deux autoroutes. Toi, tu prends la 13 et t'arrives plus vite. Mais là, c'était bouché, donc t'arrives pas plus vite. Toi, tu prends la 14 qui fait un peu plus de tours, c'est payant, mais t'arrives aussi vite. Ensuite, j'arrive, c'est totalement bouché l'entrée de Paris. Parce qu'à l'entrée de Paris, il y a porte-maillot, il y a des voitures partout. J'appelle le daron, le boss, il me sauve. Il me dit, prends le métro. Comment ça, prends le métro? Je descends la voiture. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me déposer devant le métro? Prends une ligne, m'emmène jusqu'à Champs-Élysées. Pour l'instant, tout se passe bien. Je prends une deuxième ligne. Et là, les gars, il était 8h30 quand j'ai pris le premier métro. J'avais montré un 57. Deuxième métro, j'arrive à Montparnasse grâce au deuxième métro à 52. Frère, commence à cavaler, cavale dans le métro. Je cours, je cours, je cours. J'arrive, il est 53. J'arrive ici à 53. Et là, je regarde les panneaux. J'avais de l'acide lactique dans la bouche. Tu vois l'acide là, l'acide bizarre. J'avais ça dans la bouche, frérot. J'arrive. Je vois les panneaux, il n'y a pas écrit Rennes. Alors là, comment ça je suis comme ça, je panique. Je crois qu'il n'y a pas écrit Rennes. Normalement, il est dans 3 minutes. Du coup, je me dis 3 minutes, c'est bon, je cours et je l'ai. Je vais voir une meuf sur son petit téléphone là. Et... Tu vois la meuf de SNCF. Je lui dis, il est où le train pour aller à Rennes? Elle me fait, attendez, je regarde, prends 100 ans. Elle regarde. Et là, je vois quoi? Elle me dit quoi? Il n'y a pas. Je regarde, je dis, comment ça, il n'y a pas? Et les trains, ils partent 2 minutes avant pour être à l'heure. Et je fais quoi? Et donc, j'ai appris que les trains partent 2 minutes avant. C'est-à-dire que si t'as ton train à 57, il partira à 55. Et en plus, il n'y avait même pas sur le panneau. Du coup, j'ai loupé mon train. Le prochain dans une heure. Comment vous dire que clairement le seum. Avec mon jus d'orange prêché. Ah là je suis pas bien. Bon bah les gars, on attend le prochain train. Je vais regarder les passants et tout et on se retrouve quand je suis dans le train. Oh mon prochain train. Il est à 11h. Oh mais c'est catastrophique. Mais pourquoi je suis une merde? Pourquoi j'ai jamais loupé mon train? C'est la première fois de ma vie. Mais oui mon ref, y'a que ça à faire. J'attends, il fait moins 10 degrés. Je suis en train de regarder One Piece dans la gare. J'assume pas du tout. 10h57, mon train, il y a le clic qui vient d'être annoncé, du coup je peux enfin prendre mes clics et mes claques, aller dans le train et me détendre au chaud. Allez, c'est bon, je vais dans le train. Bon les gars, je viens d'arriver à Rennes, tranquille, j'ai un comité d'accueil qui m'a attendu. Emma, ça va les gars ou quoi? Les gars, c'est des abos, ça va ou quoi? Bien. Gros, depuis quelle heure vous m'attendez? 7h. Gros, parce que j'ai dit sur Insta que j'allais à Rennes, j'ai dit que j'ai loupé mon train. 7h du matin. Oh ouais, c'est... Mais gros, ça les gars, là, on les retient, on les retient. Bon, là du coup les gars, je sors de la gare, je vais chercher le RS3 Grinardo. Mais qui voilà je... Qui voilà je... Qui voilà j'en ai resté pas Grinardo. Wesh ma couille. Ça va ma couille. Oh ça fait plaisir de te voir. Voilà j'ai l'impression de voir le mec sur sa pépé Twitter là. T'as exactement les mêmes sapes. Et les lunettes et la casquette. Là, mon gars. Gros mais il fait trop beau à Rennes aujourd'hui. J'avais un comité d'accueil. Gros il y avait 4 abonnés. T'as fait des sons? Mais j'ai dit à 6h que je venais à 6h du matin. Gros depuis 6h du matin ils ont attendu. La vidéo. Mais non. La vidéo, j'ai fait choquer. Mais frère en même temps il y a du monde de ouf. Toi t'es là avec ta cam et tout frère. En vrai ça c'est l'un des exercices les plus durs quand tu vlogs. Ouais. C'est
vloguer au milieu des gens. Ouais, parce que en général, les gens ils disent oui, c'est qui lui avec sa caméra. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je sors pas beaucoup la cam. Mais là, vas-y, je me suis dit, oh, quel calme. Bouillose, quoi. Oh, ça fait plaisir. Bon, t'es prêt, frérot? Les gars, Alouz, il est en train de tourner une vidéo parce que ce soir, on va manger. Ce soir, gros. C'est ce midi? Mais c'est ce midi, frère. C'est là, gros, c'est dans une heure. Oh là là, parce qu'en fait, là, ce midi, les gars. Du coup, les gars, bon, moi, je y aurai le vlog de toute la journée avec Bouzy, Valouz, tout ça. Et lui, la semaine prochaine, ouais, Val, la semaine pro, les gars. La semaine pro, il sort une vidéo, les gars. On va manger du bœuf de Kobe, les gars. Les gars, c'est la meilleure viande du monde. On peut le dire? Ah ouais, ouais. Est-ce qu'on peut le dire? Meilleure viande du monde. Régalé. Du coup, préparez-vous, semaine prochaine, plus grosse dégustation de ta chaîne, en vrai. Plus bonne dégustation. Allez les gars, c'est parti, let's go. On va où là, Val? Chez toi? Bah, chez moi, frère. Bang bang. Les gars, on se fait poursuivre par des viewers depuis tout à l'heure. Les gars, il faut savoir qu'on était à un feu rouge. La voiture derrière nous, les mecs ils sont sortis de leur voiture, ils ont fait une photo avec nous en mode trop content. Et depuis, ils nous suivent. Les gens, ils veulent bombarder. Regarde, ils sont là, ils sont en train de bombarder, gros. Et moi, comment? Attends, est-ce qu'on voit? Vous l'avez teinté, gros. Ça va les gars ou quoi? Bien. Eh mais je crois que c'est bon, ils nous ont doublé, ils voulaient juste nous doubler, non? Tiens, on se met là. Ouais, je viens. Eh, on fait une course ou pas? Gros, on tape une grosse course là. Ça fait quoi les gars? Rien, j'ai vu la fameuse vidéo où tu t'es collé sur la voiture à Michou. Ah mais j'ai pas touché hein, j'ai pas touché. Hein? Un peu. Gros, c'est des BG, c'est des BG. Je suis mort de rire. Val, est-ce que t'es chaud après je conduis? Ton RS J3. Est-ce que t'as confiance en moi ou pas? Regarde, tu vois ma tête. J'ai confiance en toi. J'ai vu conduire certains bolides. Ouais. Ça faisait peur. En vrai, sur un parking déjà pour voir. Tu vois le parking. Si sur le parking je me sens à l'aise, est-ce que on va au local en RS? Le local, ça fait loin. Et tu vas accélérer comme ça? Ouais. Juste pour avoir la sensation dans ma vie, ça sera toi le premier qui me l'aura donné. Tu te rends compte? Ma première sensation comme ça, c'est toi qui me la donne. Oui, il y a du feu qui sort. Mais les gars, c'est dans son truc, il y a du feu qui sort. Dans son truc, il y a du feu. Mec, c'est incroyable. Gros, c'est ta voiture qui fait ce bruit? C'est un tracteur ou c'est une Audi? Il y a des gens dans les commentaires, ils savent c'est quoi? Attends, les gars, vous savez c'est quoi ça? Oui, en fait, c'est quand je vais vraiment ralentir. Vas-y, fais. Et je le sens, c'est dans mes roues. C'est la barre, je pense, qui tient mes roues. Elle est rouillée? Je sais pas. Oh, le bruit que ça fait, gros. Il l'a cassé. Ça, c'est un signe du dessin. Non, commence pas à chercher des excuses, hein, le bâtard. Oh, bah tu vois l'âge. Oh, mais attends, mais on est en V1 là. Wesh, ou quoi, ça va? Moi, les Mustango, j'arrive. Ouais, ça va? Ah, comment? Alors, mais moi, je les kiffe, là. Toi, je te kiffe, toi. Toi, je te kiffe, hein. Viens voir ça, bon. L'année 2021. Oh, mais gros, j'ai jamais été aussi hype de manger de toute ma vie, gros. Regarde-moi ça de très bien. Oh, là. Les gars, ça, c'est les viandes qu'on va manger. Je vous montre rien. Là, devant moi, il y a les viandes qu'on va manger avec Valouz. Mais je spoil rien parce qu'elle sera sur la vidéo de samedi de Valouz. Bon, les gars, ça fait du bien de retourner ici. Hein. En vrai, tu sais que je me sens bien quand je suis chez vous. Hein. Ah, ça fait plaisir. Il est où, Dozo? Mustang. Et gros, elle a un flow, elle. Toi, tu préfères laquelle, Pidi? J'ai pas de préférence, Bug, mais... Non, j'assure, tu préfères. Si, elle préfère Bug. Bug. Mais c'est juste que elle, c'est une fille, du coup, faut prendre soin d'elle, plus qu'un garçon. Mec, Dozito, c'est le boss aussi. C'est le refrain de Dozito. Les gars, vous préférez lequel, Dozy ou Bug? En vrai, moi, j'aime bien les deux. Mais tu sais que, gros, j'ai trop envie d'avoir un chien, mais vas-y, j'attends d'habiter tranquille, d'être tranquille avant de prendre un petit chien, tu vois. Mais je pense que je prendrais un truc drôle. Tu vois le truc qui dansait là, je t'ai envoyé. Bulldog français. Ouais, bulldog français. C'est la base, c'est pas un bulldog français. Mais ça bave pas, bulldog français. Un petit peu, ah ouais, mais. Un bulldog français, ça bave plus qu'un canard. Regarde, tu peux pas lui en vouloir. C'est un PG, c'est un PG. Mais attends, mais du coup, t'as changé ton setup, j'ai pas vu moi. Les gars, on va voir le nouveau setup de Val. Bah attends, faut que je t'explique un truc. Oh, y'a les BTC. Les BTC, gros, c'est incroyable ça. Bon, change pas, frère. C'est mal PC, ouais. En vrai, mon PC, y'a la 4 gras 3090 qui a lâché en 2 jours. C'est-à-dire qu'il est mort là ton PC? Bah j'ai remis mon ancienne carte graphique 2080 Ti qui était dans ce PC là. C'est-à-dire donc t'as, là ce PC là, PC là est allumé mais il y a pas de carte graphique dedans. Et elle coûte combien la carte que t'as acheté? 2000 balles. Ouh. Et elle marche pas au bout de 3 jours. En 2 jours. Non mais j'espère que tu l'as renvoyé, t'as dit. Bah je l'ai renvoyé, ouais, j'ai envoyé en... Inox, appuie sur ça là-bas. La mascotte. Oh, il m'a fait peur l'engueule. Oh mais c'est trop dark. Oh mec, c'est trop dark. C'est le meilleur achat 2021. Oh non. Ah vous, j'étais obligé, Pidi. Moi je filme en plus, c'est gênant. Là, il y a Mission qui voulait jouer avec toi, gros. Oh, il est trop mignon. Je suis mort. Oh, Mustango. Oh, mon petit Mumu. Allez, va chercher.
Au Mustang, c'est vraiment le gars sûr. Lui, tu peux compter sur lui. Tu sais que tu peux compter sur lui. Tu sais que Valouz vient me faire conduire son RSQ3, Bidi. Mais non. Ouais, il m'a dit. Trop d'art. Il a trop peur. Il croit que je vais faire un accident. Toi, c'est que automatique. Ouais. Dommage, t'aurais conduit ma A1 sinon. Ouais, mais je sais pas faire. Ouais, bah oui, c'est dommage. Avant d'essayer une manuelle. Ouais, vas-y, je suis chaud, on essayera. Vas-y. Dans une autre vidéo à 200 000 pouces bleus. En vrai, les gars, vous avez pas d'objectif de pouce bleu. Mets ton pouce bleu, ça fait plaisir. Regardez qui nous a rejoint. Regardez-moi ce gros beau gosse. T'es bien là ou pas? Est-ce que je t'ai manqué? Ah ouais, mec, depuis qu'on s'est pas vu, t'as eu une beubar. Ouais, là, j'ai poussé là. En fait, j'ai poussé d'avoir une grosse touffe et après, j'ai lâché le barbier pour qu'il me la taille. Il se passe quoi là, Valou? Il y a quoi? Regardez le gras que ça a diffusé. La viande qu'on a mangée? Ah! Parce que les gars, oui, dans la vidéo de Valouz, on a mangé une viande. T'es mal la viande qu'on a mangée? Tout le gras. Attends, mais ça veut dire que quand on a mangé la viande, on a mangé ça? Proba, tu bois. Oh! Ah, t'es obligé de le faire. Proba, vas-y. Non, mais tu bois pas tout, mais t'es obligé de boire une gorgée. Oh là là! Ça, j'adore quand tu fais des trucs comme ça, Bouzy. Proba, combien? Proba 5. Oh! 1, 2, 3, 5. Ah, il a trop le seum! Attends, moi, je vais être là. Je vais. Regardez sa tête de dépité, il a trop le seum. Ah, il va manger. Ah! Oh, ça. Encore. Non, encore. J'ai envie de vomir. Oh non les gars, oh. Et pensez à mon corps quand même. Oh ça dégue. Ça c'est tout le gras de la viande. Vous avez les chiottes en lendemain de soirée. Vous diriez pas quand j'ai la chiasse. Ça va pas, ça va. Vas-y, allez Val. Ça va ou c'est dégueu? Je sais pas ce que j'ai vu. C'était chaud. C'était tout visqueux. Oh. En vrai, respect. On le félicite ou pas? Non. Tiens-moi la porte. Non, parce que c'était pas non plus un truc de ouf. Tu veux le faire? Non, mais... Non. Proba, tu le fais? Attends, on est pas à deux. Dozo, viens. Zongo le dozo. Y'a là. Ouaf. Dis bonjour aux abonnés. Coucou. Oh, mec. Gros Bug, elle est vraiment mignonne. Dis bonjour aux abonnés. Bug. Bonjour les abonnés. Bon, les gars, c'est parti. Valouz, t'es prêt, gros? C'est moi qui conduis, là. Je vois qu'aujourd'hui, c'est pas ma journée, en fait. Les gars, je vais conduire le RSQ3. C'est la première fois que je conduis une voiture aussi chère. C'est la deuxième voiture que tu conduis en famille, non? Ouais, et aussi puissante. A votre avis, je vais faire un pet ou pas? Hein? T'inquiète, je vais prendre soin. Ok les gars, direction parking pour que je me fasse la main et que Valouz puisse diagnostiquer si il y a potentiellement possibilité que je conduise sur la route. Si tu conduis bien sur le parking, tu rentres à la maison avec. Hey, j'ai un flow ou pas? Les gars, notez mon flow. Je crois que c'est mon moment. Valouz, t'inquiète, ça va bien se passer. Déjà, mets quand on monte à bord d'un véhicule, il faut bien se positionner. Ah ouais, tu vas changer tous mes réglages, c'est vrai. Est-ce que t'es prêt? De toute façon, là, tu fais un petit tour ralenti. T'as appuyé sur le frein? Ouais, j'ai appuyé sur le frein. Vas-y, passe sur le D. Oh, j'ai entendu... Oh, putain de sa mère. Vas-y, c'est parti. Oh, j'ai appuyé, mais attends, gros, j'ai appuyé un tout petit peu. C'est parti à Tatawin les bains. C'est Inox, il conduit, les gars. La dernière fois que j'ai vu conduire, c'est au Maroc. Et t'as de te faire un accident. Oh, frérot. J'appuie pas fort en plus. Hop. J'appuie pas fort. Hein. Et ça part à fond. Ah bah, je la les gars, c'est incroyable. Je la connais. Kinyo. Il y a personne à droite. Personne. Tu peux y aller. En plus, elle est énorme. Oh, comment elle ronronne. Vas-y, go. Gros, t'as appuyé direct. Moi, j'aime personne. Il y a le progressif. J'ai vu la voiture à la baisse. Ouais, j'ai une sensation, ce gars, gros. Là, des fois, la sensation. Ouais, des fois, ouais. Oh putain. Gros, pourquoi la voiture, elle est partie en cacahuète? Parce que t'as accéléré trop vite d'un coup. Mec, c'est incroyable. Tu sais que j'ai peur un peu là. Mais je te comprends. J'ai un peu peur. Et là c'est progressivement. Ok, là, je fais progressivement. Vas-y, à partir de maintenant. Ok, les gars, c'est pas grave. Attends, c'est une voiture là-bas. Ça freine là? Oh, faut appuyer fort pour freiner. Il s'est fait peur. Je me suis jeté dessus. Il s'est fait peur. Gros, toi, tu veux trop foncer comme un bâtard. Gros, c'est trop bien. La vie d'homme, c'est trop bien. Fais gaffe. On accélère pas comme ça dans un virage, gros. Comment le ronronne. Tu veux que je descende et je te fais confiance là? Vas-y. T'es dans la voiture, vas-y, pose-moi là. Tu es mort, putain. Ok, c'est parti, les gars, j'y vais. Parti. Je suis mort, il part solo, quoi, Inox. Oh là là, les gars, en vrai, je suis un peu en stress parce que là, si je fais un pet, la voiture, elle, c'est pas 10 euros. Hein. C'est pas des lol, la voiture. Ok, vous êtes prêts? Ok, là, je fais un petit sprint. Il y a Inox dans ma voiture, tout seul. Je l'aurais jamais cru un jour lui laisser ma caisse solo. Et en vrai, je suis content parce que Valouz, il me fait grave confiance.
Wesh, wesh. Comment t'as fait? Mes pneus là. Mais t'as fait un drift avec ma crise, grand culé. Gros, t'as vu ça? Tu sais que tous les gens regardent, regarde là-bas, regarde comme. Filme-les! Regarde comme ils nous regardent! Ah, j'avoue, les gens ils doivent se demander. Ils nous regardent trop mal! Gros, par contre, à vous le drift c'était incroyable! Oh putain! Gros, t'as fait un drift, gros! Tu veux rentrer chez moi du coup comme ça? Si tu fais, mais par contre, tu fais pas le fou! Non, non! Parce que là, on est vraiment sur la route, y'a des jeux, vrais gens! Ah là, je fais bélec! Gros, Valouz, il me fait trop confiance! Hein. Ah, t'es mon frérot! Ah, hein. T'es le boss! Ah, les gars, je suis content, je me suis bien débrouillé, Valouz, il m'autorise à aller sur l'autoroute! Ok Valou, c'est prêt? Vas-y, je suis prêt. Hein. T'as confiance? Tu connais la route? Les palettes. C'est pour passer vitesse, ah ouais, mais ça en vrai non. Un peu plus tard, je t'apprendrai peut-être un jour. Vas-y. C'est dur hein, de calculer la distance là, entre les trucs. Ah ouais, ça va pour l'instant, t'es confiance en fait. Oh le bruit! Je peux te dire qu'à l'extérieur, tu l'entends le bruit hein, en vrai. Hein. Et que t'étais pas en sport tout à l'heure sur le parking. Hein. Et tu l'as bien entendu? Ouais, ouais. En sport, tu l'as crié. Oh, comment c'est incroyable! Mais gros, le volant il est énorme! Bah quand t'as pas l'habitude. Ah ouais, il est énorme! Tu es en train de faire conduire une autre. Tu m'as fait confiance. Je te fais conduire. T'es un zinzin. On va faire croire à Biti qu'il y a accroché la jante. Ouais, vas-y. Attends, je vais crier parce que là il nous entend. Ouais. Mais je suis désolé. Ouais, bah je sais pas quoi te dire. Et gros, je pouvais pas anticiper. Bah ouais, mais. Putain, je pouvais pas anticiper. Il a accroché ma jante. Mais non. Il a démonté sur une bordure. À fond de balle. C'est vrai? Ouais. J'ai trop le seum. En vidéo en plus, hein. J'ai trop le seum. Mais non, vraiment? En gros, salut mon mec. En gros, y a pas l'habitude que la voiture elle soit grosse comme ça, tu vois. Et du coup, il a tourné d'un coup, barre dans la bordure. J'ai éclaté, hein. Attends, je vais aller voir. C'est genre la jante, elle est. Non, mais la jante, elle est dégommée. La jante avant. Ça coûte cher? Bah, ça coûte 2000 euros. Ouais. Bah, là, tu vas remplacer la jante. Hein. Attends, je vais aller voir. Ne vous trollez. Non. Tu sais pas mentir, une autre. Bah oui, c'est pas vrai, y'a rien. Du coup là les gars, je suis avec Pid. Pid elle m'a dit ouais Inox, j'ai une idée de vidéo, est-ce que tu veux la faire avec moi? Du coup on va cuisiner des cookies, qui fera le meilleur? Ça sera sur la chaîne de Pidi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir quand ça sortira. Bon Valouz, à ton avis, c'est qui qui gagne? Pid. Je pense que c'est Pidi, ouais. Non, hey, attends, t'avais dit des dingueries tout à l'heure toi, pour faire chauffer le chocolat et tout hein. Moi et Comi, il fasse des bons cookies. En fait, Inox il est super créatif. Gros, c'est le zoo. Mais attends, mes frères, mais t'es l'ami des animaux là. Mais tais-moi, comment ils sont gros. Gros, ils vivent leur meilleure vie, gros. Regarde-lui comment il est posé, oui, avec sa patte et tout, gros, frère. Ils ont leurs deux pattes sur là où je pense, gros. Ils sont au calme. Et gros, c'est des fous. Ils ont trop pris la confiance, les gars. J'ai rien fait. Mais frère, ils te kiffent, hein. Mais gros, c'est. Regarde, c'est des boss. Bébé. Mais attends, mais je rêve là. Attendez, les gars, je suis là, je fais ma petite miniature sur mon YouTube, donc je me suis absenté. Regardez d'ailleurs ma petite miniature. Une note sur ma miniature. Miniature Among Us, un flou ou pas? Je faisais ma petite minia, je me dis tiens, je vais aller revoir Inox, il s'est endormi avec les toutous. Ah oui, c'est vrai que tu t'es réveillé à 6h, bébé. J'ai sous-estimé le réveil. Ouais les gars, on est chez Tonton Val, on regarde Squeezie, tu connais, Théa elle est là, ça va ou quoi? C'est la première fois que je vois Théa et c'est une grosse salope. Je rigole, mais je rigole. Je rigole. Ouais, j'attends quoi? T'as lâché outre. Oh non. Même moi je te connais, je m'y attendais pas. Même lui, je m'y attendais pas. Ils se sont même pas dit bonjour, hein, c'est pas bien. Mais non. En vrai, Théa elle est grave sympa. T'es gentil, Théa. Ouais, c'est ça, ouais. Je voulais trop voir son réaction, je voulais voir. Faut tester un peu. Ouais, t'es marrant, t'as réussi. J'ai attendu, je te demandais ce que t'allais dire. Et du coup on regarde les petites vidéos tranquille dans le canapé. Bon moi j'ai un peu froid du coup j'ai mon manteau. Et on est en détente. Gros j'ai dormi combien de temps? J'ai dormi une heure. Gros j'ai dormi une heure gros j'étais KO. Mais gros là on a mangé du bœuf de Kobe ce midi les gars. J'ai pas filmé parce que c'est sur la vidéo de Valouz. Avoue que pas bien. Bah en vrai c'est de la viande trop grasse. Ouais mais gros j'ai. En fait on a peut-être trop mangé. Bah, on a mangé un kilo hein. T'imagines qu'on se plaint d'avoir mangé trop de bœuf de Kobe gros. Mec, tu m'as mis une chiquette, bâtard. Oh ben ouais, tu mets les pieds. Ah, le BTC.
Il y a un truc incroyable avec la télé de Valouze, regarde. Voilà, c'est orange, là c'est bleu. Et donc là, la couleur, elle change de toute ta maison selon la télé. En fait, c'est une ambilight. Et du coup, ça diffuse, ça propage l'image, enfin la couleur de l'image sur le mur. En gros, ça s'adapte avec les... Mais mec, c'est incroyable. Ça veut dire là, c'est bleu, et là c'est blanc. Quand tu regardes un film, c'est cool, en vrai. Oh mec, c'est incroyable, t'es trop dans l'ambiance. Ah mec, c'est trop bien. Je veux ça dans mon chez-moi plus tard. Et là, bon, il y a la petite pépère. On attend les pizzas. Ah oui, t'as commandé on pizza. Attend les pizzas. Du coup, on va faire une pizza dégustation, sauf moi j'ai pas commandé de pizza les gars parce que frérot, le bœuf de Kobe là, il m'a déglingué hein. Bah alors, petit, on a reçu les pizzas. Bah alors, petit. On peut parler de quelque chose Inox. Quoi? Est-ce que tu peux lâcher une petite dédicace à la livreuse? Grosse dédicace à la livreuse hein. Regardez comment il porte pas ses bosses. C'est toujours quand elle est pas là. Quoi? Quand tu vois une fille, t'oses jamais lui parler, tu parles toujours dans le dos. J'ai dit quoi? J'ai fermé la porte, il m'a dit y a pas que la pizza que je vais manger ce soir. Regardez hein, comment elle se kiffe, elle regarde ses vidéos sur ma télé. De ouf. Elle a un kiff sur elle. Franchement, pas mal la vidéo, non? Ouais, pas mal, mais c'est pas mal, les abonnés, hein, les pouces en l'air. Ferme ta gueule, bouffon. Et pizza yolo. Ouh loulou. Ah mais attends, mais y'a pas du fromage dans ça? Si, je kiffe trop ça moi. Ah ouais, ça c'est food porn. Y'a ça et y'a celle-là. Les gars, moi Domino's, franchement j'aime bien. Ouh loulou. T'as pris deux pizzas? Ça c'est pour les filles. Ça c'est pour les filles et ça c'est toi. C'est ouais. Mais c'est fort en fromage, y'a même pas de tomate dans ton truc Val. Mais moi c'est full of cheese. Ah tu mets pas de tomate? Mais gros c'est... Mais attends, mais tu fais quoi toi? Regarde. Et là croque dans ça pour voir s'il y a du fromage. Mec. Oh, ah ouais, ça donne faim. Bon bah les gars, tout le monde est un peu fatigué. Moi je vais dormir là avec mes chidozo là. J'ai fait ton lit en haut hein. Mais non, mais je laisse Théa dormir en haut. Mais Théa elle a une chambre encore. Oh bah c'est bon alors. T'as pas du lit, tu vas aller dormir là. Ah bah c'est bon. Bah moi elle, Pidi, elle m'a fait un lit. Pidichek, t'es la boss. Pidichek, t'es la boss. Ouh. Non mais si tu veux moi je prends. Ah ouais? Bah vas-y, je laisse Théa dedans. Le gentleman. Bah oui. Vas-y. Okay, mets-moi dans le bureau. Mais non, vous savez très bien que c'est pour rire, les gars. Eh ben là, je peux prendre ça dans la chambre. Ouais. Il est trop bien ton Mustang. Tornado, tranquille, c'est Tornado. Il s'appelle Tornado. Ouais. Il y a sa langue qui sort. Tornado. Bonne nuit, Pid. Bonne nuit, Théa. Du coup. Bon bah les gars, je suis dans la chambre d'amis, regardez, avec Dozo. Ça va ou quoi? Ça va mon ref? Bon, il va bien, hein, tout va bien se passer. Bon bah les gars, je vais dormir là. Bon bah c'était cool cette petite journée chez Val. Les gars, la viande elle m'a dégommé le bide, j'ai trop mal au ventre. Et en vrai, j'ai passé une très bonne vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. J'avais envie de vous emmener avec moi, j'ai conduit la petite voiture de Valou, j'ai vu ma petite bouse, etc. C'était détente. Les gars, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, mettre la cloche comme d'habitude, tu connais. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye. Bang, 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 bang. Et c'est free. Bang.